Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo sur FC 2024. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à plus après le générique. Allez, top générique! Allez, revoir à tous après le petit générique donc pour le match de demi-finale, allez, c'est-à-dire OM contre les Rangers. Donc voilà, match aller par contre. Voilà. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je suis en live Twitch en ce moment. Donc ne vous inquiétez pas si des fois je parle sur Twitch. C'est normal, je suis en live Twitch. Donc voilà. J'espère qu'on va faire un peu bien pour cette demi-finale. Le grand joueur, c'est celui qui, ce jour-là, fait basculer le match de ton côté. Cette demi-finale allée du UEFA Europa League, elle va nous donner des héros. Alors voilà la composition. Donc je la tourne et je la posterai le jour même, c'est-à-dire mercredi 6 mars, elle sera tournée. Et elle sera montée tout le 6 mars. Ah, il est passé sur ce bon geste. Long ballon aérien et du coup la défense. Ne vous inquiétez pas. Et c'est donc l'heure de faire ses voilà, débuts donc sur YouTube, vous verrez le match aller et le match retour sur une vidéo différente. Voilà, ou je sais pas, peut-être que je fais un montage, vous verrez le match aller et le match retour. La feinte à le contre-pied, l'ailier, il va créer le décalage, donner le petit temps d'avance aux attaquants. Très grosse pression, attention. Eh mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Eh c'est difficile hein, les matchs là en ce moment là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Destiny ou Dogier. Pas comme ça, hop comme ça. Des solutions en attaque là. Ah non, il y a une erreur de transmission. Je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais c'était un peu débile ce que j'ai voulu faire. Au match précédent, on a perdu contre les RC Lens de 2-3. Voilà. Si vous voulez voir les matchs complets ou les trucs que je fais complets, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch qui est en description. Voilà, 1-0 pour les Rangers. On va jouer stratégique un peu. On va passer là. Intervention, ça oui, il faut les pousser à la faute. Très bon timing sur cette interception. On va se faire comme ça. Tu es calme. Ouais, bonne progression, balle au pied. Restez ici en retrait si la balle elle part. Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Voilà, faire comme ça. Coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Hop 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 hop. On appelle commencer en beauté, marqué sous ses nouvelles couleurs. On est en train de perdre là. Ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on va sombrer? Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Allez, 3-0, vous sentez passer le 3-0 là? Ah, le bon réflexe là. Je le sens le 3-0 là.
Léo Balerdi. Sur le côté, avec de l'espace. Une possibilité là pour centrer. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Kondogbia. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Danilo. Bon, après, il nous reste encore une mi-temps, mais bon. Si on se prend déjà 2-0, les premières minutes, c'est un peu débile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Ballon sorti, corner à suivre. Ah, il est en train de se prendre des buts de. Le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Hop là, marche arrière. Oudogier. De l'espace pour l'OM sur le côté. Kondogbia. Magnifique ce contre. Allez! Pour revenir peut-être. Mais pourquoi il n'a pas tiré? Qu'il avait la balle en plus. Ah, oh, une fois que c'était bien joué là, cette action. Avec Geoffrey Kondogbia. Et une bonne progression là pour l'OM. Eh oui, le tir. Ah, purée. Pas idéal, mais il fallait tenter. Mais il faut absolument cadrer. Sinon, comment tu veux quel filet il bouge? Oudogier. Et le pourcentre là peut-être. Aïe 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 aïe. Ouais, superbe défense. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Quelle belle. Oh purée. Il en 6 mètres. Ah oh, sérieux. 1 minute d'arrêt de jeu minimum. Ridvan. Danilo. Voilà, c'est la mi-temps ici à l'Ibrox Stadium. Sans même mettre 2 buts d'affilée, au moins on sera 2-2, ce sera bien pour le match retour. Après le score, le début de cette deuxième mi-temps. Ça sort en touche. Mbemba. Veretout reçoit le ballon. Je vais te faire comme ça, faire des passes. Mais ça passe tellement pas. Ça, là, c'est bon, là, on l'a. Avec ce rendez-vous de Ligue 1 à suivre bientôt ensemble. L'OM affrontera le Stade de Reims. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Énorme. Allez, mais oui. Et oui, c'est dedans. Voilà ce but qui oui. relance cette équipe et qui relance le match. Enfin. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. C'est reparti dans cette rencontre, l'OM qui n'a plus qu'un but de retard, tout est relancé. Danilo, ouais, super effort pour récupérer le ballon. Oh oh, sorti. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Léo Balerdi.
Et ça joue sur Kondogbia. Jimmy Abila. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Et ce centre vers le point de pénalty. Oui, bien arrivé. Le ballon est renvoyé. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Ah non, il est perdu ce ballon. Perchurs. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Kondogbia. Avec Valentin Rongier. Oh, l'égalisation peut-être. Non. Oh non. Sérieux, c'est de poteau. Oh non. Ah, sérieux. Danilo. Ah, le long de la ligne, il profite bien des espaces. Ah, bien joué, il efface son adversaire. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Kondogbia. Grosse bronca dans les tribunes, le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé. Ridvan. Ah non, sérieux, j'ai pu marquer là. Eh oui, il est récupéré ce ballon. Valentin Rongier. Schurz. Veretout. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah oui, c'est bien joué. Et pourquoi tu passes pas cette balle? Bah, eux ils passent là-bas, ils vont marquer les buts, tu vas voir. Ah, oh, sérieux. Mais mince. Danilo. Il faut bien négocier ce ballon là. Oh, incroyable! Le scénario parfait pour ce début. Premier match et premier but. Voilà, super. Allez, donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Super, on aurait pu laisser le match comme ça. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Destiny Udogier. Ouais, bien fait, il est passé. Ah, vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Très bon timing. Oui, il me la repasse la balle, il le sait que je peux pas tirer. Bon crochet vers l'intérieur. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. Jordan Veretout. En direction de Mbemba. Destiny Udogier. Ballon pour Jordan Veretout. Mais non, il est pas pour quoi. Oh sérieux. Ça me fatigue. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Récupération du ballon. Une minute de temps additionnel. Une minute, on peut garder le score comme ça. Et au retour, on fait 2. On arrivera à 3. Centre évidemment en direction de ses partenaires.
Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Voilà. Pour ce qu'on va faire sur YouTube, moi je vais juste couper ici et on se retrouvera pour la demi-finale retour. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la demi-finale retour de cette Europa League entre l'OM et les Rangers. On sait que quelque chose est sur le point d'arriver, mais on ne sait pas encore quoi. Évitez la défaite. C'est impossible, évidemment, de prévoir la... Allez, prêt pour la demi-finale retour. Nous sommes à Marseille, dans les tribunes du stade Vélodrome. Donc, YouTube. On va, si on perd, c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Un événement très important dans cette compétition. Cette demi-finale retour, l'Olympique de Marseille face aux Glasgow Rangers. Et oui, l'équipe visiteuse a obtenu un avantage à la maison au match aller. On sent une certaine sécurité avec deux buts d'avance. Mais c'est une fausse sécurité, c'est une illusion. Parce qu'au premier... Et peut-être l'occasion de marquer. Magnifique ce contre. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. C'est dégagé ce ballon. Ouais, bien fait la différence qui est faite là-dessus. Bah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Non, 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 c'est les Rangers. Allez, elle est bien partie. On peut faire trois. On peut faire, faire deux buts. Et Balerdi en opposition. On va faire trois pour gagner. Veretout. Et qu'eux en fassent zéro. Et depuis le temps qu'on en parle, il est enfin là et il va jouer. Aujourd'hui, son premier match, c'est un moment important. Et oui, sur l'aile, ce qu'il manquait, c'est un profil capable de mettre un peu de magie dans les attaques. C'est quoi la magie? C'est l'incertitude, le dribble. C'est aussi la fausse piste, la feinte, le contre-pied. L'ailier, il va créer le décalage, donner le petit temps d'avance aux attaquants. Oui, corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. Attention la frappe pour le bien gardien, c'est facile à gérer. Ah non, ce ballon est bêtement perdu. C'est normal, pas grave. Oui, la belle incursion là. Le tir. Intervention facile pour Paulo Lopez. Pourquoi il donne si loin hein? Ouais, la perte de balle pour l'OM. Oudogier. Ballon pour Pape Gueye. Oui, il faut frapper maintenant. Ouais, super le réflexe du gardien. On y était presque. Hein. Non. Le ballon est récupéré. Récupéré. Mais... Danilo. C'est là, si on met deux buts, on peut jouer les prolongations. C'est ça qu'il faut jouer. Il hérite de la balle. Oudogier. Ah, là, il protège bien le ballon. Ridvan. Oui. Quoi? Accordé par l'arbitre sur cette faute. J'ai rien fait? Oh là là. Voilà, c'est bien défendu. Du coup, le ballon est renvoyé. Ballon dangereux en profondeur.
et c'est réussi, ce but pour prendre les devants, ce but qui fait du bien moralement, c'est une situation idéale. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Ouais. Et nous on est scellés. Je vous rappelle la finale. Attention à cette passe. Voilà. Et le ballon frappe le montant, ça revient. Et c'est dégagé par la défense. Jordan Veretout. Et la parade, j'y arrive même plus. Mon joueur, il est crevé. Mon joueur, pardon, dans la surface, assez bien défendu. Ça, le danger maintenant est écarté. L'action se poursuit dans le camp adverse. Très bien défendu. Et il passe pas la balle aussi. Oh là là, franchement, cette demi-finale, c'est une catastrophe. Je vous fais de vous faire subir ça sur YouTube, mais là franchement, c'est d'un grand golade aux enfers. Il va être bien le titre. L'OM perd en demi-finale de la Ligue Europa. Il se défait l'adversaire direct. Un gros travail de la défense et du coup la tête. Alors là, c'est super, hein. Et le ballon change de camp. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Et personne pour reprendre parce que le centre est trop en retrait. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh, la bonne frappe. Ouh, c'est contré. In extremis. Je sens bien le titre. On va se défendre pour l'honneur. Hein. Franchement, on n'a plus que ça à faire. Le corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. C'est fini. Vers l'intérieur pour aller provoquer. Balle au pied. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et le panneau indique le temps additionnel. Une petite minute. Jimmy Abila. Rongier hérite du ballon. Et voilà, c'est donc la mi-temps de ce match. On va jouer jusqu'à quand même la 70e minute. Ça y est, l'arbitre fait signe au joueur, le coup d'envoi. Il peut tenir, mais là. J'y crois pas trop, moi, à cette victoire-là. Enfin, du moins, à cette prolongation. Parce que si prolongation il y a. Ce sera un miracle. Valentin Rongier. Il y a du soutien là pour attaquer. Orientation sur Pape Gueye. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est au fond, but. Ouais, même il en faut encore trois, il en faut encore deux. Depuis le début, dans sa tête, c'est clair. Je ne dribble pas, je joue en force. Dans l'exécution, c'est parfait. Est-ce qu'on peut le faire? Jure. Et un petit rappel avec ce rendez-vous de Ligue 1 à suivre bientôt ensemble, l'OM affrontera le FC Lorient. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et voilà, un ballon en pleine surface de réparation. C'est dégagé, ce ballon. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Ah, c'est bien fait, la bonne progression. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Gueye. Jimmy Abila. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Si on fait, si on y arrive, et franchement. Ouh, dans le dos de la défense là. Oh, mais quel sauvetage! Paulo Lopez!
Allez, changement donc. Allez, contrer cette frappe. De nouveau, un corner à jouer. Le ballon vers la surface de réparation. Et c'est dégagé par la défense. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Je n'irai pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et moi ça, je serai même plus. J'essaie de résister. Est-ce que là, putain. Ouais, il m'en plus deux. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Et le bon centre en retrait. Oh, le ballon là qui est repoussé. Mbemba. Jimmy Abila. C'est dur. L'action se poursuit dans le camp adverse. Mais on se demande quand même si c'était la bonne idée de frapper de là. Oui, c'était un peu ambitieux. C'est très compliqué de marquer de là. Et voilà, le changement s'effectue. Il y a du soutien en attaque. Moi je tiens plus. Je vais te faire un remplacement. Je peux pas te tenir là. Mon joueur ne tiendra pas. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Ah bien sûr il y a faute, c'est. Mon joueur il tiendra pas. Et le staff décide donc de faire un changement. Allez, on va jouer la dernière lueur d'espoir. Si ça bon, c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon. Un centre dans la surface, et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Oui, corner. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Le ballon en touche. Et on lève la tête. Orientation sur Pape Gueye. Et le gardien qui écarte bien le danger. L'ordi portable pour la miniature. Fuentes. Ah non, c'est très mal donné. Jimmy Abila. Et c'est signalé position de hors-jeu. Et voilà. Bon. Tout est gagné. Tout gagné. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. 10 minutes du pur bonheur. Ridvan. Pour l'équipe adverse. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Pour l'OM, c'est mort. Veretout. Et ce sont les 5 dernières minutes du temps réglementaire et toujours ce score de parité. Toujours 0-0. Toujours le match aussi nul. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et belle passe en profondeur. Excellente prise de balle. Et le but dans les derniers maintenant qu'il le fait.
L'écart est réduit. Il Alors reste plus une que poignée de secondes pour y croire. il reste plus qu'un but. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et mais il reste plus qu'un but, donc faut qu'il le fasse là. Le gardien. Heureusement qu'il est cadré d'ailleurs. Et il reste plus qu'un but, mais un but à la 80. Ouais, un but à la. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Ce serait trop bien de mettre du 3. Ça ferait une prolongation. Mais vu le temps additionnel, vu le temps, c'est fini là. Et 2 minutes de temps additionnel. Eh, c'est fini, on va finir sur les honneurs. Le ballon sort en corner, c'est signalé. Non, bon, on va finir sur les honneurs. On va finir sur les honneurs du match. Donc voilà. Un corner qui est bien ajusté. Un bon effort sur cette tête, mais il faut faire mieux. Donc le titre pour l'OM perd en demi-finale. Allez go, ouais. C'est fini. Jordan Veretout. Et voilà. La fin de ce match retour. C'est fini. L'équipe va chercher à l'extérieur sa place en finale. C'est une qualification. C'est fini. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous de m'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez pu me dire dans l'espace des commentaires si vous y croyez ou pas à cette qualification. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.